passé, j'aurais avec un bon marabout sur la main, le capitaine des éléphants, et puis on n'a même pas été qualifié pour la Coupe du Monde. Hein? Marabout là, ça a permis à Paul Pogba de gagner la Coupe du Monde pour la France. Je vous explique et je vous montre. Donc, vous vous rappelez de Mathias Pogba, non? Le grand frère de Paul Pogba. Voilà, son grand frère qui avait fait des vidéos pour dire que non, le gars là a essayé de basser Kylian Mbappé là. Donc, lui, ils l'ont arrêté. Mathias Pogba a été arrêté et a été mis en garde à vue. De garde à vue, il paraît qu'il va être écroué. Donc, avant d'être écroué là, il a fait des vidéos, beaucoup de vidéos. Il a gardé. Il a mis ça dans un petit logiciel pour que s'il reste en prison, qu'il ne sort pas, le logiciel là publie les vidéos. Donc, c'est ce qui s'est passé. Comme il est en prison, le logiciel là a publié les vidéos sur Twitter, sur TikTok, sur tout, le logiciel a publié. Et ce qui se passe dedans, ce qui s'est dit dedans, il y a Mathias Pogba qui confirme que effectivement Paul Pogba utilise un marabout pour pouvoir jouer son football. Ce marabout-là, c'est Serge Aurier qui lui a donné. Voilà, donc ce marabout-là lui a dit, faut faire des sacrifices humains, faut faire des viols d'enfants. En tout cas, c'est Mathias Pogba qui dit ça. Donc, quand ils ont fait ça, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. La France a gagné la Coupe du Monde en 2018. Et puis, c'est grâce aussi à tous ces sacrifices que Paul Pogba a fait là, que Manchester United a pu gagner le PSG en 2019. Voilà, parce que dans le sacrifice humain, ils ont demandé que Kylian Mbappé soit bassé. C'est quand ils ont bassé Kylian Mbappé, qui joue au PSG, que lui et Paul Pogba jouant à Manchester United, ils ont pu gagner le Paris Saint-Germain. Maintenant, les sacrifices là, je vous dis, il n'a pas pu faire lui-même. Il a pris des hommes de main pour l'aider à faire parce qu'il avait peur. Voilà. Après la victoire à la Coupe du Monde, et puis... Et la victoire de Manchester United sur PSG, Paul Pogba a commencé à vraiment croire en ce marabout. Il dit, aïe, 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 le marabout, il est fort. Donc, il a donné son compte bancaire. Il paraît que le monsieur même se servait sur le compte bancaire. Donc, le marabout lui a dit, non, faut plus va trop parler à ses parents. Sinon, son football va plus trop marcher. Donc, il parlait plus à ses frères. Le marabout prenait l'argent seulement des millions d'euros. Donc, les gens qui l'ont aidé à faire des sacrifices là, qui ont protégé, qui l'ont aidé là, il les a laissés. Donc, eux aussi, ils sont allés l'attraper pour lui dire que nous, tu nous donnes l'argent. Si tu ne nous donnes pas l'argent comme tu donnes au marabout là, nous, tout ce que tu nous as fait faire là, on va dire. Tu vois, non? Donc, Paul Pogba, il a dit d'accord, il va payer. Donc, il a envoyé 4 millions d'euros sur leur compte. Et puis, il a appelé sa banque pour dire qu'il n'a qu'à envoyer 11 millions à quelque part d'autre. Bon, 9 ou je ne sais pas les calculs. Voilà, bref. Donc, quand il a envoyé les premiers 4 millions là, lui-même, il est retourné aller bloquer. Il a bloqué l'argent, maintenant les bandits vont dire, ah bon, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Donc parce qu'il a bloqué l'argent, il allait dire à la police et puis il a pris la maman, il a fui. Donc les bandits aussi sont allés attraper ses frères. Tu vois, non, ils les ont pas attrapés. En tout cas, c'est ce que la partie là, ils n'ont pas encore dit. Il arrivait des choses à ses frères. Donc c'est pour ça que son frère a commencé à dire que voilà ce que Pogba fait. C'est pour ça que je suis dans le problème. Il veut nous mettre dans le problème. En tout cas, Mathias Pogba, lui, il est en prison parce que les gens pensent qu'il est derrière tout ça là. Il est derrière cette affaire de donne-nous l'argent, sinon on va tout balancer que tu nous as fait tuer des gens, tu nous as fait ceci, fait ce boulot, tu nous as fait marabouter Kylian Mbappé, c'est tout ça là qui sont dedans. Que ma conclusion de cette histoire, bon, notre frère Serge Aurier dit qu'il n'est pas dedans. En tout cas, ça nous aurait fait plaisir. Il n'a qu'à faire, il va libérer le contact de Marabout là. Actuellement où je suis là, ça ne mousse pas trop pour moi. Donc, s'il peut me donner les informations du Marabout, moi je suis chaud. Voilà, il y a des parents dans ma famille là, ils ne servent à rien. Voilà, donc faut faire, on se laisser.